Bonjour et bienvenue, on est reparti pour la survie du week-end. On est dans la mine floor 3, donc le niveau 3, moins 3 j'imagine. Et nous avons trouvé un pont qui est détruit la dernière fois et on s'est arrêté juste devant. Donc on va essayer de le franchir, on va voir si c'est possible déjà. Donc on a ça à récupérer. Je suis un peu lourd par contre. Alors on est à fond, hein. on est reposé à fond. Ça, pas de problème. Dans l'instant, j'ai envie de mettre ça, ça nous pèsera moins lourd, mais le moins 5 dans de sprint, là, m'embête un peu, parce que si jamais on doit passer du gaz, c'est quand même vachement bien de pouvoir sprinter au maximum. Donc ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre Ah, tout simplement, du bois, je crois. Ouais, on va virer un peu de bois. Voilà. Et on va, donc... avancer. On va avancer. On a trouvé un fire steel. Je crois que c'est celui-là qu'on a trouvé, 65%. C'est fun. On a trouvé un thermos la dernière fois. On a trouvé plein de trucs. Donc il faut qu'on parte à un moment. Mais l'aventure, l'appel de l'aventure. Donc on s'était arrêté là. Donc ça me paraît fun à passer. Ça bouge en plus. Ok, cool. Ok, cool, super. Ah, ça passe. J'ai pris un screenshot. Ça passe. Ok. Donc on avait dit... Alors je suspecte qu'on soit sur la région gauche. Sur la partie gauche de la région, pardon. Et qu'on arrive genre à une corde. Si jamais on arrive à une corde, c'est exactement où je pense. Mais c'est pas sûr, encore une fois, c'est pas sûr. Donc on va voir. Par contre, après on fera demi-tour. Ah, tiens. Si jamais c'est la sortie. Parce que on n'est pas équipé pour être dehors, en fait. On n'est pas du tout équipé pour ça. Où est-ce qu'on est là? Oh mon dieu. Non mais t'es sérieux. Ok. On peut pas se tenir à la corde. C'est fait exprès la corde, bordel. Ok, tout va bien. Et il y a intérêt d'avoir une récompense. Hein. 500 feet level. Ok. Je sais plus ce que c'est un pied. Je crois que c'est quoi? C'est 300 mètres, 500? Je veux une récompense pour avoir fait tout ça, là. Je sais pas, je veux un fusil M16 avec un chargeur. Non, honnêtement, j'en sais rien ce que je voudrais. Mais je voudrais bien une récompense. Ok... Ça marche. Ouais, si on est à la grotte, honnêtement, qu'on essaye de sortir, on va avoir super froid, on va perdre énormément de vie, c'est dangereux parce qu'il y a des loups. Donc ça serait une connerie de sortir. Donc on va faire demi-tour. Ça va nous prendre un peu de temps, mais on fera demi-tour et on rentrera comme ça, quoi. Ah, il y a des câbles. On a repris le gilet, le sac. Là, on va se retrouver. Oula. Mon dieu, il y a un passage là. Oh. Je vois des échafaudages. Oh, waouh. C'est gigantesque.
C'est gigantesque. Regarde s'il n'y a pas des objets. On dirait qu'on peut aller en fait, mais... Je pense qu'il n'y a rien. Oh lolo lolo lolo. C'est... Ouais, c'est grand là. Hein. Là, c'est grand là. Par contre, maintenant, du coup, nous, on veut aller où? Là? Ou on retourne là-bas pour voir où ça mène la sortie hein. Non, j'en sais rien, moi. Ah, moi, je suis perdu là, moi. Non, je sais plus où aller. Hein. Et le pire, c'est qu'on n'a toujours pas commencé l'histoire. La telle, là, on a toujours pas commencé. Nous, on doit faire quoi? Genre juste fouiller la mine de l'ensemble pour trouver des traces de ce projet, l'autre. Donc s'il faut, il faut y aller pendant des aurores boréales et tout. Donc... Ah mais si jamais vous avez pas de lampe, ça doit être la galère. Et je me dis que si jamais vous avez pas la lampe rouge aussi... Honnêtement, ça doit être beaucoup plus chiant. Parce que vous devez consommer énormément de fuel. Et ceux qui... Bon, ça, on s'en fout. Ceux qui le font à la torche, eh ben putain. Ça doit être la galère aussi. Hein. C'est de l'eau, ça? Ah, c'est de l'eau. Point de flèche. Attendez, je vais tester un truc. 43%. Elle était pas à 46. Ouais, on risque rien. Et si je fais ça? Merde. Ah mais non, d'accord, on risque rien du tout en fait. Ah, fait chier. C'est un bug en fait. C'est un bug. Merde. D'accord, ok. C'est normalement, on devrait avoir froid. Ah putain, j'ai plus ma lampe. Bon, y a rien. Ah, y a rien. Oui, parce que normalement, on devrait avoir. On a le bruit, mais normalement, on devrait avoir froid. Ou alors, c'est de l'eau chaude, mais ça m'étonnerait. Je vois pas pourquoi ce serait chaud. Bon, on a trouvé une caisse à outils, c'est pas mal. Un peu de nourriture et tout, ouais, ça va. C'est pas vraiment ce qui est très affolant, mais... Il n'y a pas moyen d'aller en haut, hein. D'accord. Le maïs, je crois qu'on en a besoin pour des cuissons, ça aussi. Les porcs au faillot, je crois qu'on en a pas besoin pour faire de la cuisine, si je dis pas de bêtises. Alors là, par exemple, on peut dessiner une croix pour dire qu'on l'a fait. C'est fouillé. À la limite. On a beaucoup de poids en fait, ça m'embête un peu parce qu'on va se fatiguer un peu plus que d'habitude. Oh merde, deux chemins encore. Ah, c'est peut-être des habitations ça. Ouais.
Pas des habitations, des habitats. Plutôt. En parlant de cuisine. Ah, parce que attends, si je suis pas. Ah oui, on peut pas faire de feu. Ah oui, on peut pas faire de feu où on veut. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Dans ma tête, on pouvait faire du feu où on voulait en fait. Mais non. Mais non, mais non. Alors, ce qu'on peut faire, c'est. Ça. Pour dire que c'est fouillé, mais il y a un endroit pour faire du feu. Parce que c'est vrai que j'avais pas pensé en fait au fait que. Ah, ça y est, on y est. Ça en fit. Je crois que c'est là. Ça, c'est la grotte. Donc, ça, c'est. C'est ça. C'est vers la mine. C'est la même corde et tout ça. Parce que je suis allé regarder des épisodes précédents pour voir. C'est la même corde, ça a l'air d'être la même distance. Parce que c'était pas très très profond. Donc c'est là. On va pas le prendre. On va pas la prendre. Parce que sinon, il faut quand même tous se retaper. Je sais pas dehors combien il fait. On n'est pas équipé. Si jamais on se fait sauter dessus, on va avoir ultra ultra mal parce qu'on n'a pas de défense. Le froid va sûrement nous bouffer la moitié de notre vie le temps qu'on arrive à la maison. Donc non. Ah oui, je me rappelle aussi vaguement, vaguement, qu'il faut un coupe-boulon. Je crois que c'était ça, c'est coupe-boulon, je crois. Donc ça aussi. On a toujours pas trouvé le coupe-boulon. Est-ce qu'on va devoir repasser par du gaz? Je crois que oui. Ça serait bien de pouvoir dessiner des lettres, écrire vraiment ce qu'on veut. Merde, j'ai pas. Oui, non, ça c'est fouillé. C'est fouillé. Et là, on peut pas faire de feu. Donc, on doit aller à droite. On va devoir se retaper les ponts et tout ça, là. Ça va être fun. Vous imaginez si vous n'avez pas de hache pour le bois là, pour les planches, vous pouvez pas les casser. Vous pouvez pas les casser, vous pouvez pas passer. Donc ça c'est aussi intéressant comme technique, c'est pas mal. Je pense que la prochaine fois, là cet épisode, ce qu'on va faire, on va essayer de rentrer en fait. Et ramener du matos, ramener ce qu'on a en fait. Et je crois que pour la prochaine fois, on va peut-être se balader un peu. À l'extérieur. Ça bouge.
Ça bouge, hein, le pont, ça bouge. Quand on trouvera des tournants, on va mettre une croix pour dire que ça aussi ça a été fouillé. Genre tout le chemin a été fouillé. On dirait que des fois il y a des choses dans les parois, c'est ouf. Okay. Donc ça c'est fouillé et tout. Nickel. Ça, en face de moi, c'est fouillé. Après, à droite, c'est encore un chemin. Quand on arrivera au bout du commencement du chemin, on mettra une croix. Comme ça, dans ma tête, c'est précis. Après, je vais être honnête, je pense pas qu'on en aura un jour besoin de revenir. Hein, mais juste au cas où, quoi. Juste au cas où. Mais c'est vachement bien qu'on ait trouvé cette mine par hasard la dernière fois. Enfin, il y a longtemps déjà maintenant. Sur la partie gauche de la région, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a vu la corde et tout ça. Et du coup, on sait où ça mène et on a dessiné en fait et tout. Donc on sait que c'était ça. Et quand c'était déjà dans le dernier épisode, j'étais en train de me dire on va trop en fait. On va trop dans les mines et ça ressemble plus à des mines, ça ressemble à des grottes surtout. Donc je me suis dit, ça doit être complètement genre à gauche. Et puis au final, ouais, c'était ça. Ouais. Alors, on va quand même noter là. Alors là, c'était le gaz. Attends, on est trop loin. On est un peu lourd. Très bien. Attendez. Il faut 5 kilos en moins. Toujours un peu délicat. Après ça c'est comme je dis, je balance le bois et tout parce qu'on n'en a pas besoin. On peut en récupérer plus tard. Ouais, c'est pas mal là. C'est pas mal. Alors, je me mets comme ça. Le truc, il est là. Ouais, très bien comme ça. Ouais, quoi que j'ai pas envie qu'il bouge. Non, on va le mettre là, le masque filtrant, ici. Let's go! Il y avait quoi de ce côté maintenant? Est-ce qu'on était allé de ce côté, nous? Je pense que la première fois, on est allé de ce côté. C'est bon. Ça, je pense que ça, c'est la première fois. Faut voir si c'est fouillé. Oh. Ouais, objet fouillé. On va le prendre, on va le déposer. Ok. Et là, il y a le passage droite et ou gauche. Et c'est où c'est qu'on avait trouvé le cadavre? C'est là. Ouais, nous on était allé là. Donc on avait trouvé le cadavre. Attends, je vais... Là, c'est un peu long, mais... Juste être certain que c'était où il y avait le cadavre. Et après je fais demi-tour et je mets une croix. Comme ça on boucle. Comme
Comme ça, on boucle ça. Et après, le cadavre, il nous avait mené où, hein? C'est ça le problème que je suis en train de me demander. Ah, faut pas être claustrophobe, hein, par contre, hein. Après, la claustrophobie dans les jeux, personnellement, moi, ça me touche pas. Ah, tiens. Ah, le mal de l'enfermement. Il y a quand même le mal de l'enfermement, alors. Ok, j'ai rien dit, alors. J'ai rien dit. Ouais, ça, c'est le cadavre de la corde. De la clé, pardon. Normalement... Ouais, voilà. Il y a quand même le mal de l'enfermement. Mais j'ai rien dit, vous voyez. J'ai rien... Pourtant, on est resté super longtemps. Donc là, ça nous mène où? Toxique, danger. J'aurais pas dû faire ça. Là, on part, je sais pas où. Ah ok, là on est dans le grand endroit, ok. On va quand même marquer... Ah là là, ça devient le bordel. Tout ça, on a fouillé. Donc là, c'est où on avait trouvé les bottes. Ça, je m'en rappelle. Et là, coupe-boulon. Ok. Alors, photo. Donc, niveau 3. Ok, coupe-boulon ici. Faudrait que je trouve... En fait, faudrait que je me rappelle d'un moyen pour... aller au coupe-boulon facilement. Le risque d'enfermement qui monte grave. Ça m'emmerde. Bon, je pensais pas qu'on allait avoir le risque d'enfermement. Bon, après, honnêtement, le risque d'enfermement, c'est pas grave parce qu'on a plein de bois, on a plein de tissus. Donc ça veut dire qu'on peut faire un igloo à l'extérieur, faire un grand feu. Y a pas, honnêtement, il n'y a pas grand chose. Y a pas de... Ah, on peut même pas besoin. On peut aller. Dans l'abri. On peut même aller dans l'abri et dormir à la belle étoile. Nickel. Bon, quand on est dans les mines, faut toujours faire comme ça. Toujours faire comme ça. On enlève le plus de kilos possible. Par rapport aux vêtements. Et voilà, on a fait le tour. Donc là... Donc... Putain, comment je vais dessiner ça, moi? Alors... Fouiller. Mes mines. Terrain de chasse. Matériaux, stockage. Outils. Ah, outils. Thank you.
J'aurais pas dû les faire aussi loin. Parce qu'on voit rien en fait. Ouais, mais c'est devant l'ouverture comme ça. Alors, attendez. Outil. Ah, c'est pour dire que c'est fouillé, mais on a besoin d'un outil ici. C'est... Ça va, c'est clair, non? Je pense que c'est clair. Est-ce qu'on peut dormir de ce côté-là? Parce que je voudrais bien dormir une petite heure. Comme ça, on reprend la corde et on bouge. Et on va jeter tout ce qu'on a, là. Parce que là, on a trop de choses, là. Là, on n'a plus besoin du masque, plus rien. C'est trop la merde, si. Alors, faut que je le fasse là-dedans. Pas mal. C'est juste pour se remettre un peu là et qu'on puisse monter jusqu'au troisième étage sans problème. Et si on a le mal de l'enfermement, honnêtement, c'est pas un problème. Alors, nous, c'est là. Oh! Ok. Ça fait haut. Hein. Ça fait haut. Oh waouh, elle a pris un putain d'élan. Donc ça c'est 2. On va peut-être s'arrêter haut. Hein. On va dormir. Une petite heure encore une fois, tranquille. Ah merde, ça c'est les rats ici. Ok, très bien. Vache. On se repose. Tout va bien. On remonte. On vide notre inventaire, puis on redescend. Alors peut-être que la fin de l'épisode, ça sera que de ça. Du coup. Peut-être. Elle est pas reposée des masses. Hein. Ouais, peut-être que la fin de l'épisode sera un peu que ça. Où on... Parce que là, on est resté vraiment longtemps dans la mine et tout ça. On a bien géré. Donc du coup, on a récupéré quand même pas mal de choses. Ça va.
C'est étrange, ça a pas l'air de monter très vite en fait le mal de l'enfermement. Je sais pas, des fois ça monte vite, des fois non, je comprends pas vraiment comment ça fonctionne. Il y a la pépite à récupérer, genre à l'étage 2, il y a plein de trucs à récupérer. Okay. Alors, avec ma connaissance, je pense qu'on aurait pu faire directement jusqu'à la fin, là, arriver là. Je suis quasiment certain. Mais, bon, voilà quoi. C'est quoi qu'on cherche? De toute façon, à l'intérieur, il n'y a rien. Hein. Bon, ce qui est sympa, c'est que les câbles, on risque rien. Ok. On va rentrer dans d'autres bâtiments. Longtemps. Okay. J'ai un peu peur quand même, j'ai pas d'équipement donc j'ai un peu la flippette, un tout petit peu la flippette. Ah après attendez, on est rentré par là. Alors attendez. Donc on est rentré par là, donc nous il faut aller sur la gauche. Nous on vient de la droite. On est rentré par là, donc on est en face, on va à gauche, donc là. Et là on arrive, où ça? Je suis pas sûr, hein, donc je demande. On arrive dans le bâtiment qu'on veut, exactement. Nickel. Pas complètement sûr, hein, je vais être honnête. Mais ouais, les trois bâtiments sont connectés. Donc du coup, c'est vachement bien. Ça permet de faire un peu ce qu'on veut par rapport à ça. Genre, on va dans un bâtiment, on peut aller dans l'un ou l'autre, quoi. Non mais attends. Fou de ma gueule. Hein. Je deviens fou, en fait. Donc c'est parfait. Ah ça fait beaucoup de bordel. Hein. J'avoue que là ça fait beaucoup. On a le set complet du mineur. C'est pas beau parce que ça on dirait que ça vole là. Oh là là, ça me fait chier. Faudrait virer tous ces cartons et cette caisse à la con là. Horrible ces machins là. Ça prend de la place, c'est pas beau. Là nous ça va être notre zone là. J'ai déjà enlevé des cartons qui étaient par terre, genre comme ça là par exemple, putain. Faut que je boive, faut que je mange. Je vais voir un peu le travois. 54, non il a pas bougé, ça va. Non, il bouge pas. Bon, le travaux a pas l'air de bouger avec le temps. Je pense que les pourcentages qu'on a vu bouger, je crois que c'était des bugs, en fait. Voilà, très bien.
commence à me faire chier, hein, ces cartons. Eh ben oui, j'utilise... oui, voilà, on a utilisé des pourcentages du truc. C'est comme ça. Et là, on a 58 minutes. Putain de merde. Oh! Oh, qu'est-ce que c'est vache! Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est vache que tu viens de me faire, là. Oh là 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 là. Ah, qu'est-ce que c'est moche. Ok, nickel. Très bien. I'm not gonna be able to carry this load for much longer. Alors, ça c'est les glands cuits qui sont à 1%. Très bien. Ah, je vois plus rien, ça y est. Ça, il faut absolument que je teste. Je vais le garder dans l'inventaire, le mauvais état. Je vais voir si ça fonctionne. Très bien. On avait trouvé, je crois, un café. Ouais, celui-là, il a 100%. Je crois qu'on avait trouvé un thé. Ah, ouais, une tisane. Ouais. Deux mêmes tisanes. Ok, marche. Ça, on va le jeter aussi. Ok, très bien. On va peut-être finir l'épisode un peu plus tôt que d'habitude. Parce que, honnêtement, ça va être de l'aller-retour. C'est pas le plus fun. C'est vraiment pas le plus fun. Je vois rien du tout. Faut qu'on dépose les vêtements extra là qu'on a. Normalement notre pile elle est là. Alors ça, qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? Rien d'autre. On va récupérer ça, ça c'est à nous. Ok, très bien. Ouais non, 6 degrés et tout, ouais non, on peut pas utiliser ça, hein. On peut pas, c'est trop... C'est trop froid. Techniquement, on pourrait, mais non. En plus, nos trucs protègent encore mieux. C'est 15%. Ouais, non, 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 on peut pas. Par contre, on va... Alors, on va peut-être faire ça. Hop. Oh là 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 là, c'est le bordel. On en a plein. Ah, le tissu, là, on a fait... Là, on a bien marché. Le masque. On n'a plus besoin pour le moment. Ah, et puis je peux pas le jeter. Ça. Bien. 41 kilos, ça va, c'est bien. Donc ce qu'on va faire, on va aller dormir dehors. Non. Ça, c'est le bidon, je crois, qu'on avait ramené.
Il y a un loup là. Deux loups. Un peu compliqué tout ça. L'angle était mauvais, hein. L'angle était super mauvais, j'ai pas aimé, j'ai eu un peu peur honnêtement. C'est pour ça que j'y ai pare-balles. Alors, on doit dormir. Mais on va dormir dehors. On va dormir d'abord quelques heures, voir si ça fonctionne bien, pour pas crever. Voilà, là normalement. Ouais, on est bon. Hein. On voit des loups ou pas? Alors, normalement, on est bon. On va tester. On va tester, mais pas longtemps d'abord. On va tester, genre, une heure. Je vais voir. On a mal de renfermant 28%. Ok, donc ça marche pas. Ouais, c'est pas considéré comme dehors. Ok, ça marche. Je voulais juste être sûr de ça. Ok. C'est considéré comme un bâtiment à l'intérieur. C'est un peu con. Donc, obligé de faire un igloo parce qu'on n'a pas de voiture. Ah si, il y a des voitures dehors. Mais il faudrait faire un feu. Ah, il faudrait faire un feu dehors et dormir dehors. Fait chier. Ah, ça c'est un peu chiant. En tout cas, vous savez quoi? Je pense qu'on va peut-être arrêter ici. J'ai pas trop le temps en fait. Et on est déjà... On est à 45 minutes, donc ça va, c'est potable pour... un épisode. Parce qu'on a fait beaucoup de plus d'une heure à chaque fois. Et si je continue, je vais sûrement dépasser. Donc ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. Je vais rentrer. Moi, je vais en profiter pour faire des allers-retours, là, genre récupérer tout ce qu'on a laissé en bas, genre à l'étage 3 et à l'étage 2. On va récupérer tout ça, genre la pépite d'or et tout. Je vais essayer aussi de... Ça va être chiant. Mais je vais essayer de, aussi de peut-être avoir un ordre un peu mieux. Garder cette grande planche, en fait. On va dire ce grand petit sol, là. Pour mettre tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on a trouvé en fait. Genre un peu mieux étaler les choses. Comme ça, ça sera un peu plus simple pour trouver où tout ce qu'il y a, tout ce qu'on a récupéré. Genre casser cette caisse peut-être, celle-là, enfin surtout celle-là en tout cas. Mais voilà, du coup on mettra tout, tout bien. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Donc je récupère tout le matos au niveau 3, au niveau 2. Ici je remets un peu comme il faut. Et après on se repartira en aventure, je sais pas encore quoi faire, je suis super heureux par contre d'avoir trouvé donc la gourde isotherme, elle est très moche mais on l'a trouvée, c'est très bien. Donc on en a une, on a tout le set du mineur, les bottes aussi, les bottes peuvent pas être réparées par contre, c'est un peu relou. Donc on a ça. On a récupéré aussi le maillot de hockey, qui est techniquement mieux. Il en faudrait même un deuxième, honnêtement.
Ouais. Ok, que c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Très bien. On a encore 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8. Et 8 filtres pour le masque. Notre masque, ça va, il n'est pas cassé, c'est bien. On a ces filtres-là, on va pouvoir les détruire, je pense. Je les détruirai. Qu'est-ce qu'on a eu de bien encore? Honnêtement, on a vraiment bien bossé là. On a bossé vraiment comme des maîtres. Il nous reste plus qu'à trouver une seule clé, et c'est la clé du contremaître. Et aussi la clé de la porte de la mine. C'est pas le bureau, c'est la porte. Donc ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool. Et il faudra qu'on commence ça. Utiliser radio haute fréquence portable pour détecter les signes de vie. Donc ça, il va falloir se balader. Hein. Il va falloir se balader, je pense, si c'est à l'extérieur. Donc là. Donc nous, on a fait ce côté-là. Maintenant qu'on peut passer avec les bottes et tout ça, on va peut-être passer par la droite. Je dis pas non. Alors on fait comme ça. Ça peut être pas mal. Parce qu'au final, c'est pas très très grand. On commence un peu à se repérer. Je vois un peu. J'arrive à bien visualiser la carte, donc ça devrait aller. On a le thermos, je voudrais bien aussi le tester en fait, du coup à l'extérieur, voir un peu comment on peut gérer le thermos et tout ça. Donc c'est important qu'on apprenne un peu à le gérer en fait, comment l'utiliser. Genre est-ce qu'on doit toujours réchauffer les choses? Est-ce que les choses durent vraiment très très longtemps? Ou alors il faut, ou alors c'est juste un peu le double, genre 2 minutes de plus au lieu de, je sais pas quoi. Enfin voilà, est-ce que c'est ça ou pas? Donc ça aussi il faudra le tester. Faut vraiment que je teste ça, le thermos au maximum. On va peut-être aussi prendre des tisanes de bouleau. Plein de tisanes. Ou alors on va faire du café, je sais pas. Mais après j'ai quand même encore pas mal de ça. Ça aussi. Donc ouais, on verra. En tout cas voilà, il y a plein de trucs comme ça que je veux tester. Mais il faut que ça prenne du temps. Et je veux un peu tout refaire le camp. Donc c'est pour ça qu'on s'arrête maintenant. Parce que de toute façon, qu'est-ce que vous allez? Vous allez me regarder monter et descendre une corde encore 1 heure? Non. Donc voilà. Mais super aventure pour le moment. Super super aventure. Je pense qu'honnêtement on a bien fait. Parce qu'on s'est pas trop pris la tête avec encore l'histoire. Parce qu'on l'a pas commencé techniquement. Et pour le moment, on est juste à regarder un peu comment les choses fonctionnent et tout. Donc maintenant, si on sait, si on doit retourner dans la mine, on sait qu'on y va genre sans les deux vêtements lourds. Comme ça, on peut courir. Alors, on essaye de pouvoir courir le plus facilement possible pour éviter de consommer des filtres. Donc on peut encore se balader. Parce que je pense pas qu'on va retrouver beaucoup de filtres maintenant, de cartouches. Je pense que là, on a trouvé un peu tout ce qu'on pouvait. Donc voilà. On a très très bien joué. Honnêtement, on a très très bien joué. Je suis très content. Ça s'est super bien passé. Donc ouais. Et il faut se balader aussi à l'extérieur pour récupérer encore plus de serre. Quoique maintenant, le serre, on n'a plus trop trop besoin parce que les bottes, elles vont pas trop s'abîmer. Parce que nous, on utilise les autres bottes. Mais après, pourquoi pas, genre les lapins et tout ça, on en a encore. Mais voilà, pourquoi pas rajouter encore des trucs. Et on va commencer à être à court de viande aussi. Donc il va falloir qu'on bouge. Mais voilà. Si jamais on prend le... Quand on sortira là, si jamais on prend le travois, il faut que je pense à prendre une fourrure et un boyau. On va pas le réparer maintenant parce qu'il est quand même à 54%, c'est trop pour le réparer parce que c'est on récupère 70%, pardon, on récupère 70%. Mais voilà, il faut qu'on prenne ça dans l'inventaire pour le réparer au moment où il sera vraiment bas. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, cette mise à jour est vraiment cool. À la prochaine, ciao ciao.